j'ai été aux Philippines pour les journées mondiales de la jeunesse. This is the award for. This is an award for our Madame Brigitte Ayotte, the wife of the Prime Minister, for awarding the Rizal Women of Malolos Award. This award is awarded to brave women who have signified their assistance to our fellow Filipino and to their community. We are awarding it here in Paris, and we hope that we can provide the necessary award to Lady Madame Ayotte. J'ai le buste à Paris. Ano tanong mo? Excited dahil nandito kami sa Matignon. Ito po ang residensya ng Prime Minister of France na kilala niyo na dahil nagpunta na sa Pilipinas, Prime Minister Jean-Marc Ayrault. Nandito kami dahil ang Knights of Rizal ay magbibigay ng award na Rizal Women of Malolos Award para sa kanya, dahil sa kanyang kabutihang puso at generosity na tumulong para dalhin dito ang mga children ng Guilani Foundation. Ito po ay mga street children na inaalagaan ng Guilani Foundation. At napakaganda kasi ang kanilang dream na magpunta dito at magpakita ng kanilang galing at talento ay nangyari dahil si Madam Brigitte Ayrault, ang asawa ng ating Prime Minister dito sa France, ay nagdala rito sa 25 na mga bata para ipakita ang kulturo ng Pilipinas nung nandun tayo sa opening sa museum, sa Philippine Exhibition sa Museo Duque Brandy. Marami pa pong iba na itulong ni Madam Madero. Isa po yung tumutulong siya na mailagay natin yung isang monumento ni Dr. Jose Rizal doon sa plaza na tinatawag Dr. Jose Rizal Plus. At siya po ay tumutulong sa atin at hopefully soon maitayo natin yun. Pangatlo, nung International Women's Day, inimitahon po namin siya na guest of honor sa UNESCO to celebrate International Women's Day. Nagkaroon kami ng fashion show ng isang designer na Pilipina dahil gumagamit nga siya ng mga abaka at mga indigenous fibers na para gawing mga magagandang damit. At tuwan-tuwa siya sa, dahil sa mga kulay ng mga damit na ito. At humahanga siya sa ating mga designs na ginawa ni Miss Sandy Kukong. At dahil doon, nakapatulong siya na ma-celebrate yung International Women's Award. Kaya nagpapasalamat kami kay Madam Ero na sila po ay isang kaibigan na ng Pilipinas at nakakatulong sa atin dito sa embahada at para kumanda ang ating bilateral relations with France. Maraming salamat. Nice to meet you. Très joli.
Madame l'ambassadrice, Excellence, Monsieur le Commandeur suprême, Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Matignon pour une cérémonie qui est tout à fait singulière, car elle est d'abord à l'honneur des Philippines, mais aussi de l'association Virlani et de mon épouse. Mais je ne suis pour rien. Je voudrais simplement vous dire, en vous accueillant, la joie qui est la mienne de retrouver beaucoup de personnes des Philippines, mais aussi d'autres personnes qui ne sont pas des Philippines. Mais pour vous dire, Madame l'ambassadrice, que j'ai gardé de mon voyage dans votre pays un grand souvenir. J'ai particulièrement apprécié la chaleur de l'accueil de votre président, mais aussi de toutes les personnalités, mais aussi des habitants des Philippines que nous avons rencontrés tout au long de ce voyage. Je mesure l'importance aussi politique de cette visite, puisque c'était la première fois qu'un représentant de haut niveau de la France, au niveau chef de gouvernement ou chef d'État, se rendait aux Philippines, ce grand pays de plus de 100 millions d'habitants, et qui avait peut-être le sentiment d'avoir été oublié par la France. Mais je crois qu'il n'y avait pas d'oubli, mais s'il y avait peut-être une certaine distance, et je crois que ce temps-là est désormais révolu. D'autant plus que depuis cette visite a été inauguré le vice-président des Philippines, une superbe exposition qui a eu lieu au musée du président, des arts premiers. Et c'est un événement qui permet de renforcer encore plus nos liens, à la fois politiques, économiques et culturels, et qui permet aux Philippines de faire connaître toute l'histoire de sa civilisation particulièrement riche. Donc merci de nous avoir permis ces rencontres. Je voudrais vous dire, mais je m'en tiendrai là, puisque maintenant, je crois que c'est vous, Madame l'ambassadrice, qui allez prendre la parole. C'est une cérémonie que vous avez souhaité qu'elle se déroule ici. Et je vous laisserai bien sûr en expliquer le sens, puis ensuite le commandeur suprême qui s'exprimera pour la remise de la médaille de Riza. Mais je vois de votre part, à travers cette décision, le signe d'une volonté d'approfondir, de renforcer les liens entre les Philippines et la France. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. J'en suis convaincu. En tout cas, une page s'est tournée, une autre est en train de s'écrire, et nous allons l'écrire ensemble. Chacun y aura sa part. Les responsables des États, les responsables économiques, les responsables culturels, bien entendu aussi les associations, les ONG. J'ai cité tout à l'heure l'association Virlani, mais beaucoup d'autres encore, et puis les citoyens, c'est ce que nous souhaitons, du fond du cœur. Merci d'être là. Madame la Présidente, je suis heureux de vous donner la parole. Marc Hérault, à la personne honorée et récipiendaire du prix de Lisa Women of Malolos, Madame Brigitte Hérault, le commandant suprême de l'Ordre des Chevaliers de Rizal, c'est Regis Romero, les officiers et membres de l'Ordre des Chevaliers de Rizal à Paris, chers invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Permettez-moi de remercier le Premier ministre Jean-Marc Ayrault d'avoir bien voulu accueillir les cérémonies d'attribution sur le lieu prestigieux de Matignon et de me féliciter de sa présence notable ce soir. Mesdames et messieurs, l'événement de ce soir signifie une ouverture sur une nouvelle voie. Ce sera la première fois que l'Ordre de Chevalier de Rizal confère le prix Rizal Women of Malolos à une Européenne. En effet, Madame Brigitte Hérault sera la deuxième récipiendaire du prix qui n'est pas d'origine philippine.
Dr. Wan Aziza Ismaël, l'épouse du chef malicien Anwar Ibrahim, mais elle-même un personnage important de la politique malicienne, était la récipiendaire présidente. Le prix Rizal Women of Malolos est décerné par l'ordre des chevaliers de Rizal aux femmes distinguées pour leur réalisation exceptionnelle en incarnant ce que les femmes de Malolos représentaient. Permettez-moi de vous dire quelque chose sur ces femmes de Malolos. Elles étaient 20 jeunes femmes qui ont courageusement résisté la puissante clergé espagnole afin de pouvoir créer une école et assurer l'éducation à une population en grande partie non instruite. Elles se sont engagées à rompre les chaînes de l'ignorance qu'elles pensaient renforcer les obligations des peuples philippins par leurs maîtres coloniaux. Ainsi, au fil des années, les femmes de Malolos symbolisent la synergie et le statut égal des hommes et des femmes dans des activités nationales. Il s'agit aussi d'offrir des opportunités et l'espoir aux autres afin d'améliorer leur situation et de réaliser leurs rêves. À bien des égards, Madame Héroux l'a fait pour 25 jeunes Philippins défavorisés de la chorale Verlani. Grâce à elle, ses enfants ont pu réaliser un rêve. Non seulement de pouvoir voyager en France et en Europe, mais aussi de partager leurs talents et de se produire devant un large public dans les événements très prestigieux, notamment au musée de Quai Branly et à la cathédrale de Notre-Dame. Conférer le prix Laure de Chevalier de Rizal rend hommage à Madame Héroux qui incarne les idéaux des femmes de Malolos en aidant les autres à surmonter les obstacles, les empêchant d'atteindre leur plein potentiel et donner espoir à ceux qui ont moins dans la vie. Et au sujet de notre héros national, le docteur José Rizal, au nom duquel ce prix est décerné, je tiens également à souligner le soutien de Madame Héroux à la mise en œuvre d'un projet qui est cher au cœur du peuple philippin et de la communauté philippine en France, la mise en place de monuments en bas-relief de Dr Rizal à la place José Rizal dans le 9e arrondissement de Paris. Ce sera un hommage important à la vie et à la mémoire de notre héros national qui a passé un temps précieux dans ce beau pays. Ce sera également une contribution positive de la communauté philippine à la société française. Nous espérons que ce projet sera réalisé dans un proche avenir. Je voudrais ajouter ici qu'en tant que l'honoré du prix de Malolos, Madame Héroux a aussi activement apporté son soutien à l'ambassade des Philippines et à la délégation permanente des Philippines à l'UNESCO afin de promouvoir la visibilité des femmes. Elle a gracieusement et généreusement donné son appui et honoré de sa présence la célébration de l'ambassade des Philippines à l'occasion de la Journée internationale de la femme en mars dernier à l'UNESCO, qui présentait une créatrice de mode philippine qui s'est distinguée par son utilisation magistrale des fibres philippines et d'autres matériaux parcourus par la France et les Philippines depuis longtemps maintenant. Ce prix et son attribution à Madame Brigitte Héroux affirment encore une fois les valeurs que nous partageons et qui nous sont chères et la parenté étroite entre nous deux pays. À ce stade,
Permettez-moi de saisir cette occasion pour réitérer au nom de l'ambassade des Philippines, de l'ordre des chevaliers de Rizal et de la communauté philippine en France, notre sincère gratitude à vous, Madame Rizitaro, pour le soutien précieux et la générosité que vous nous avez apporté dans bon nombre de nos initiatives conjointes. Et nous tenons à vous adresser nos plus chaleureuses félicitations pour l'attribution du prix Rizal Women of Malolos qui vous est désigné. Vous êtes pour nous une véritable amie des Philippines, voire une des nôtres. Mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup et vous souhaite une très bonne soirée. Donc Dominique Lemay, le fondateur et président de l'ANI aux Philippines. Donc, il s'adresse donc à Madame Miro. Chère Brigitte, me voilà de retour à Manille, aux Philippines, auprès des enfants et des jeunes de la Fondation, ainsi que des familles, avec de merveilleux souvenirs de la tournée de la chorale. Grâce à toi, à ton dynamisme et ton dévouement, le rêve que nous avions d'emmener la chorale en France et en Belgique a pu se concrétiser. Merci d'avoir participé à la mise en place de la tournée à Paris, le Nord et la Bretagne, et de son suivi en lien avec l'équipe de Virelani France. Cette tournée fut aussi un véritable succès grâce à la préparation minutieuse de l'équipe de Virelani France et à l'accueil plus que chaleureux des familles et des amis de Virelani. Évidemment, les performances successives de haute qualité de la chorale furent décisives dans ce succès. Ces enfants ont de véritables talents et c'est un encouragement pour nous de continuer dans cette voie. Nous espérons que cette tournée en engendrera d'autres pour permettre à de nombreux enfants de vivre cette expérience. Aujourd'hui est un jour important pour nous, chevaliers de Rizal, car tu reçois une médaille de l'ordre des chevaliers de Rizal. Ton cœur est un peu aux Philippines et particulièrement avec les enfants. You will miss it. I love you. Et très très magnifique. Really like it. So we will miss you. We will miss all the. I thank you to the host family. It's not single too. Que les enfants ont chanté une fois cette après-midi. C'est aussi merveilleux. Et c'est vrai que ensemble, on a fait vraiment un bon travail. Et vraiment, on est tous contents vraiment de avoir pu participer à ce voyage. Et on voulait encore une fois de plus te remercier et te souhaiter beaucoup de bonheur pour la suite. Et peut-être on se reverra dans les prochains. Your Excellency, Philippine Ambassador to France, Madame Christine Ortega, members of the Supreme Council of the Order of the Knights of Rizal, ladies of Damas de Rizal and Kababayan Rizalista, Mesdames et Messieurs, bonjour. First of all, I wish to express the deep gratitude of the Order of the Knights of Rizal, the ladies of Las Damas de Rizal, and the whole Philippine community to you, Monsieur le Premier Ministre, for hosting this significant occasion, the conferment of the Rizal Medal Women of Malolos here at Hotel Matignon. Before I come to the conferment of the Rizal Medal Women of Malolos, may I present a short background on our order and the story of the Women of Malolos. The Order of the Knights of Rizal is a civic and patriotic organization signed into law by the Philippine Legislature and the President of the Philippines on May 15, 1951. Under Republic Act 646, mandating the order to serve as the instrumentality by which the teachings of Dr. Jose Rizal, national hero of the Philippines, are propagated, emulated to all classes of Filipino people. Republic Act number 646 stands on the conviction that Dr. Rizal's teachings guide the destiny of the Philippine nation and thus the need for the future generations to know his lofty ideals and live the Rizal way, his legacy of love of country entails the importance of education, maintaining excellence, integrity, and hard work. Awards given by the order are duly recognized
as a Philippine Government Civilian Decoration under Philippine Presidential Executive Order 236, otherwise known as the Honor Code of the Philippines. At present, the Order of the Knights of Rizal has chapters all over the Philippines, the United States of America, Canada, France, Spain, Belgium, Germany, Italy, Czech Republic, Australia, Middle East, and other parts of Asia. Our projects are centered on youth development and value formation, pagmamahal sa bayan or love of country, honesty and graciousness. Today we are most pleased to recognize the exemplary contribution of a lady, Madame Brigitte Ayud, who come to aid our country's children by their dream a reality to sing in France. These children came from poor families as nothing but their dreams and their talent. They may not even have heard France in their lifetime, since their daily preoccupation is to help find a way to have enough food on their tables each day. But they dreamed, they prayed, and they worked to improve their craft. They sang with their hearts and found new friends along the way. They were able to come to France and sing their hearts. They were inspired and found hope. When they were back in Manila, they were new persons. They realized that there is always a day to make the dreams a reality. They are now more confident, knowing that there are people who care and that they have a full life to live. Our Lady gave them that. Such is the sterling quality of our honoree, your generosity of heart, enduring and daring to break the chains of hopelessness in the heart of these children is truly reminiscence of what the women of Malolos did on December 12, 1880. The Philippines then was a colony of Spain for 300 years. Education was not easily obtained by native Filipinos, most especially Filipino women. But on that day, a group of 20 young women in Malolos, Bulacan, petitioned Governor General Belariano Weyler for permission to open a night school to study Spanish. Upon the advice of the parish priest, Father Felipe Garcia, the Governor General disapproved their petition. But these young women defied the Governor General's instruction, a defiance unheard of in those days. They proceeded with their plan to put up a night school. The incident caused a stir in the Philippines and Spain, which was accustomed to the submissiveness of the Filipino natives. This act of defiance opened new possibilities for Filipinos and most especially for Filipino women. Dr. Rizal, who was then in Europe, heard of the bravery and strong will of these young women of Malolos and wrote to them a letter in the native language Tagalog. In his message, he expressed his personal pride in them and encouraged them to hold to their convictions. May I cite a very nice quotation from this letter, and I quote, "Now that you have responded to our appeal from the betterment of our peoples, now that you have manifested a good example to our young women, who like you desire to have their eyes opened and to be freed from slavery, and hope is awakened. The Filipino women no longer bows her head and bends her knees. Her hope in the future holds promise and strengthens. Gone is the mother who keeps her daughter in the dark and brings her up in self-contempt and moral annihilation. The women of Malolos were women of substance. They bravely went against the tide of personal comfort and popular acceptance. They stood their ground, knowing that they have the right to education and improve themselves so that they can be of better service to their loved ones and to the Filipino community. Madame Brigitte Ayud, we have done no less and are deserving of our confidence and deep gratitude. We are also grateful for your support to project of the Philippine community in France, and notably for your precious aid in accelerating the initiatives of the Philippine Embassy and the Knights of Rizal to install a steel with the bas-relief of our national artist Francisco Tolentino, showing the sculptured profile of the national hero Jose Rizal. It is planned to install this monument as Place Jose Rizal in the 9th arrondissement of Paris. For all this, we cannot give you a tribute as good as our national hero gave to the women of Malolos. His famous and historic letter
but we heartily offer you this medal of recognition for your exemplary gesture, knowing fully well that every word on the full text of our National Heroes Letter to the women of Malolos are also dedicated to you. L'Ordre des Chevaliers de Réserve, par sa résolution approuvée à l'unanimité, le Conseil suprême, sur la recommandation du tribunal préfectoral du chapitre d'Imasalan, Île-de-France, et par ses membres réunis en une assemblée solennelle, confère Madame Brigitte Hérault, France, la distinction de la médaille des femmes de Malolos, en hommage mérité de l'Ordre des Chevaliers de Réserve et de la communauté philippine pour ses actions et sa générosité envers eux, en mémoire des femmes de Malolos que notre héros, José Rizal, a fermement soutenu et moralement exhorté, et qui se réunissait afin de résister aux injustices du pouvoir colonial espagnol et afin de lutter pour sa liberté des Philippines, pour son aide remarquable en faveur de la Fondation Virlani et pour son altruiste contribution à la venue de la chorale des enfants de la Fondation en France, Madame Brigitte Hérault, en aidant Virlani, participe à la lutte contre les abus des enfants aux Philippines et dans le monde entier. Grâce à son assistance et à son soutien, Madame Brigitte Hérault a permis à la chorale de participer aux événements majeurs de l'année des Philippines en France et de se produire en Europe. Pour son aide au projet d'édification de la stèle de José Rizal à Place José Rizal, dans le 9e arrondissement de Paris, que l'Ordre des Chevaliers de Rizal soutient. En témoignage de son travail social envers la communauté philippine et des droits de l'homme dont la France est la patrie. Donné à Paris, à l'hôtel de Matignon, ce 29e jour de mai 2013, année des Philippines en France, signé par Sir Régis M. Romero II, KGCR, notre commandeur suprême, et attesté par le secrétaire Avelino de Torres, KGOR. Madame l'ambassadrice, mesdames, messieurs, chers amis. Je vous remercie du fond du cœur ce soir d'être à mes côtés pour cette cérémonie que je souhaite avant tout dédiée aux enfants des rues de Manille. Ce n'est pas chose usuelle pour moi de recevoir honneur et décoration, moi qui ai consacré ma vie à l'action concrète au plus près du terrain. Lorsque nous sommes allés à Manille en octobre dernier, Jean-Marc et moi avons découvert les programmes de l'association Virlani au beau milieu de Makati, le quartier des affaires, qui symbolise si bien la réussite économique d'un pays émergent. Alors que les Philippines poursuivent avec confiance leur chemin vers le développement, il y a encore des laissés pour compte. Ces enfants dont les familles, attirées par les lumières de la ville, ne peuvent assurer leur subsistance. Et ce que fait Virlani, c'est redonner à ces petits chiffonniers, pour beaucoup issus de la fameuse, trop fameuse hélas, Smoking Mountain,
une perspective en leur montrant, quel que soit le chaos de leur parcours, qu'ils peuvent tous faire quelque chose de leur vie, qu'ils ont tous une forme de don. C'est une façon si émouvante, mais surtout si efficace, de rendre à chacun d'entre eux sa dignité d'être humain et, comme le dit Virlani, de leur redonner le sourire. Vous comprendrez pourquoi, moi qui ai eu tant de bonheur à enseigner pendant des années dans des quartiers dits difficiles, j'ai été séduite par cette démarche. En écoutant la chorale de Virlani, j'ai immédiatement voulu contribuer à organiser son voyage en France, à l'occasion de l'inauguration de l'exposition Archipel des échanges au musée du Quai Branly. Cette aventure est avant tout collective. Rien, vraiment rien, n'aurait pu se concrétiser sans le soutien de tous, sans le soutien que j'ai reçu des entreprises. Et là, je ne peux pas toutes les citer, mais je voudrais surtout citer Airbus et Philippine Airlines qui ont offert gracieusement, gratuitement, les billets des enfants. C'était quand même le plus gros poste à assurer. Donc, soutien des entreprises, mais aussi des institutions. Je tiens à vous remercier tous chaleureusement. Je suis heureuse de vous voir ce soir parmi nous. En vous priant de m'excuser de ne pas vous citer, par crainte de ne pas être exhaustive. Mais je vois bien parmi vous tous ceux qui ont vraiment mis la main à la pâte et franchement, je vous en remercie du fond du cœur. Mais revenons, si vous le voulez bien, à l'honneur qui est fait à Virlani à travers ma personne. À la fin du 19e siècle, à Malolos, Madame l'ambassadrice nous a rappelé toute cette histoire, 20 femmes avaient envoyé une lettre au gouverneur général pour demander la permission d'ouvrir une école afin de pouvoir apprendre l'espagnol. C'était la seule façon pour ces femmes d'échapper à leur destin de mère de famille, cantonnée à des tâches domestiques. José Rizal, qui avait engagé son combat contre le joug colonial, ne pouvait qu'encourager dans sa fameuse lettre les femmes philippines à revendiquer leur droit à l'éducation. De cet épisode fondateur de l'histoire des Philippines, je retiens surtout un message universel d'émancipation. C'est en accédant à l'éducation, en développant ses connaissances et ses compétences, que chacun peut prendre son destin en main et devenir finalement un homme ou une femme libre. Il me semble en conséquence que la médaille de Rizal en mémoire des femmes de Malolos, que vous me faites l'honneur de me remettre aujourd'hui, est particulièrement adaptée à l'action de Virlani en faveur des enfants de Manille. Parce que chacun d'entre eux mérite, par ses capacités, par ses qualités, de suivre le parcours d'émancipation que j'évoquais à l'instant. C'est donc avec grand plaisir que j'accepte cette marque de reconnaissance et que je vous exprime, Monsieur le Commandeur suprême, Madame l'ambassadrice des Philippines, ma profonde gratitude. Merci encore à Virlani, merci à Dominique Lemay qui nous a adressé ce message, merci à tous les organisateurs de cette tournée en France. Merci à toutes les familles qui ont accueilli avec une telle chaleur ces enfants. Merci donc à tous, parce que grâce à vous, nous avons pu découvrir toute la vitalité, tout le talent de ces enfants véritablement lumineux et qui sont pour nous une véritable leçon de vie, une véritable leçon d'espoir. Vive l'amitié franco-philippine. Je t'en prie.
Bien que d'origine espagnole, sont une sorte de mutation philippino-hispanique au rythme moins brusque. Utilisé des accessoires tels je vous donne Madame aux Philippines, Sampaguita, qui est aussi une fleur exquise qui est aussi symbole des Philippines. Sampaguita, walang kaparis ang bango mo'y kaakin mga pusong nagsusumpaan sa pag-ibig. Ang kahapong anong ligaya, ikaw ang mulaklak na sa aking sinta. Kulaklak na nagbibigay ligaya o paraluman mo giliw ang mga dalaga. Ikaw ang tanging bituin hiraman ng kanilang ganda. Habang sinasaliwa sa Thank you.
Continuez, continuez. Le répéter. La barre record ya no me leo, ¿no? Sama kami kaya zero. De wala ka CD. Sí, no olete. C'est pas le bon. Thank you.
tangues solides y guerre au Seigneur, nous-mêmes au cœur serons tous en fête. Libérant seront la folie en tête. Il les amoura au soleil. Okay, thank you, madam.